J'ai besoin de toi. De moi? Adrien Agrest, voici le Miraculous du Serpent. Celui qui accorde le pouvoir de seconde chance. Tu t'en serviras pour le bien d'autrui. Une fois la mission terminée, tu devras me rendre le Miraculous. Je peux te faire renoncer... je veux dire confiance. Oui, Ladybug. Incroyable! Salutations, je me nomme Sas, je suis ton Kwami. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? C'est simple, il te suffit de dire Sas, transforme-moi. Sas, transforme-moi! Vous pouvez donner votre langue au chat après le miaou. Chat noir, j'ai trouvé Adrien. On part chercher Desperada. Rendez-vous place du Trocadéro. J'espère que je ne te décevrai pas. Je suis sûre que non. Tu es parfait, parfaitement capable d'affronter Desperada. Allez, mettons toutes les chances de notre côté. Desperada est une adversaire implacable. Lucky Charm! J'aurais préféré un fer à cheval porte-bonheur pour ma première fois. J'adore ton sens de l'humour. Vraiment? Merci. S'il arrive quoi que ce soit, tu pourras toujours remonter le temps pour revenir ici au moment précis où tu l'as activé. Compris. Seconde chance. On a 5 minutes devant nous. Dans l'intervalle, tu peux revenir en arrière autant de fois que tu veux. Mais après ça, quand la tête du serpent reprend sa place, tu te détransformes. Toujours pas de chat noir? En même temps, on devrait s'en sortir sans lui. Avec ton pouvoir et le mien, on va former une super équipe. Où se cache-t-elle? D'ici, personne ne peut m'échapper. Bravo, Desperada. Lorsque tu auras capturé Chat Noir et que tu n'auras plus besoin de ton pouvoir, ces autocollants libéreront les super-héros et leurs Miraculous seront à moi. Une super équipe, effectivement. Laisse-moi du temps. On a 5 minutes. Avant que je me détransforme, tu me l'as déjà dit. On a échoué, c'est ça? Oui, je me suis servi de ma seconde chance. Pas le temps d'attendre Chat Noir. On s'en sortira sans lui. Tu verras, on va former une super équipe. Aspic et Ladybug. Waouh! Tu viens à peine de devenir un super-héros et tu sembles déjà tellement à l'aise! C'est parce que tu as fait le bon choix. Où se cache-t-elle? Non, attends! La dernière fois, le tir de Desperada venait de là! Et tiens, pour te remercier de m'avoir choisi. Ah! Merci! Une super équipe, effectivement. Laisse-moi du temps. Pourquoi? Séduire Ladybug ou vaincre la vilaine? On a 5 minutes... Hé! Fais-moi confiance, on a déjà vécu ça tous les deux. On n'attend pas, Chat Noir. Pas la peine, on va essayer une autre sortie. Attends, ça veut dire que tu m'as déjà sauvé la vie plusieurs fois? Je savais qu'on serait une super équipe. Croisons les doigts. Il arrive même à lire dans mes pensées. On ne risque rien ici. Adrien, je veux dire, Serpent. Appelle-moi Aspic. Aspic, t'es vraiment un super... Super équipe! Arrête un peu! Encore! Non! Tu sais, Ladybug, en réalité, je suis aussi Chat Noir et je t'aime depuis que nos regards se sont croisés. On a 5 minutes devant nous. Dans l'intervalle, tu peux revenir en arrière autant de fois que tu veux. Mais après... Sas des transformations. Mais... C'est un échec. Je suis désolé. Il semblerait que je ne sois pas le bon choix. C'est simple, il te suffit de dire Sas, transforme-moi. Sas, transforme-moi.
Chat Noir, j'ai le plaisir de te présenter... Hyperion. Heureux de faire équipe avec vous. Tu n'aurais pas préféré un fer à cheval porte-bonheur pour ta première fois? Oh, Chat Noir! Pas besoin. Ladybug est notre porte-bonheur à tous. Merci. Desperada se trouve sur la tour Eiffel. On va la priver de son poste d'observation. J'aurais besoin de ton cataclysme. Il est indispensable à notre équipe. À ton service, ma lady. Allez. Cataclysme! Son étui à guitare. Pour l'empêcher de les utiliser, il va falloir qu'on détruise son étui. Prêt? Seconde chance. Attendez. Attendez, cette fois, je sais quoi faire. Laissez-moi vous conter les prouesses qu'un être magique comme moi vous permettra d'accomplir une fois le sésame prononcé. Ladybug a espoir que vous vainquiez Ikari Gozen avec panache. Pour cela, vous pourrez devenir l'un des éléments de votre choix. L'eau, le vent, la foudre... Mais d'abord, laissez-moi vous exposer notre plan. Long, transforme-moi! Non, attendez! C'est pas encore le moment! Dragon de vent! Je suis insaisissable comme le vent. Ha! Merci pour le miraculous, Ladybug. Je suis Ryoko. Enchantée, Chat Noir. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça le plan. Quel plan? Ikari Gozen, Ladybug a aidé ta fille à fuir en lui donnant un miraculous. J'ignore comment elle s'est débrouillée, mais je veux aussi ce miraculous. Oh, Kagami, tu m'as encore désobéi. Et cette fois-ci, ces soi-disant héros ont été tes complices. Vous allez tous me le payer. Attends, Ryoko, j'ai un plan. Je vais avoir besoin de toi pour faire diversion. Non, restez plutôt en arrière. C'est une affaire personnelle entre une mère et sa fille. Attention! Non! Cataclysme! Quel coup magistral, bravo Ikari Gozen. Dans quelques petites minutes, Chat Noir se détransformera et je prendrai son miraculous. J'ai été trop impatiente et j'ai échoué. Je ne suis pas digne de me battre à tes côtés. Non, tu as fait une erreur. J'en fais tous les jours, mais c'est pas pour autant que j'abandonne le combat. Si je t'ai choisi, c'est parce que tu es la seule à pouvoir m'aider. Par contre, on doit travailler ensemble. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà le plan. Dépêchez-vous, je vais me détransformer. Vous aviez raison, mère. J'ai encore beaucoup à apprendre. Tu deviens enfin raisonnable, Kagami. C'est très bien. Retiens ton souffle et vise le bokken. Eh ben, tu apprends plutôt vite. J'ai de bons professeurs. Dragon d'eau. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma.
Je te libère du mal. Je t'ai eu. Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug. Mais que m'est-il arrivé? Où est ma fille? Votre fille n'est pas loin, madame. Elle arrive bientôt. Bien joué! Attends, mais comment on va faire sans le Miraculous du lapin? Tu me passes la montre? C'est ma montre. Oui, ma montre. Notre montre. Alors c'était un Miraculous? En mode camouflage? Fluff, des transformations. Mais tu es... Alors, mini-moi, tu piges maintenant. Tu es moi et je suis toi. Enfin, pour être précise, je suis toi quand tu seras grande. Ouah! Comment je vais être trop classe quand je serai devenue grande? Mais attendez, c'est pas logique. Je t'ai jamais... Enfin, je lui ai jamais... Bref, je vous ai jamais donné de Miraculous. Tu nous l'as pas encore donné, Minibug. Ça, c'est parce que t'as pas encore percuté à quel point je suis géniale. Mais t'inquiète, ça viendra. Un jour. Je vais avoir un Miraculous! Trop cool! Fluff, à table! Tu dois reprendre des forces. Le déjeuner de demain, le dîner d'hier, quelle heure il était dans deux jours? C'était déjà demain? Quand ce sera après-demain, ça veut dire qu'hier sera de retour? Ce Miraculous a l'air super fort. Pourquoi on ne l'utilise pas plus? Parce que c'est très dangereux de voyager dans le temps. Interférer avec les événements a des conséquences graves. Mais oups, moi aussi, je dois nourrir mon Kwami. Je comprends pas. Si tu viens du futur, tu sais comment cette histoire s'est terminée. L'Alexplosion a assisté à toute la scène, ce qui veut dire que tu sais forcément comment battre Time Tiger. Ben, en fait, j'ai un peu oublié à force de passer tout ce temps enfermé, mais j'imagine que le truc logique à faire, ce serait de ramener Time Tiger dans le futur pour qu'il se fasse battre par des super-héros à sa mesure. Je gère cette partie-là. Génial! J'ai un seul souvenir précis. Mini-moi doit être là quand je battrai Time Tiger. Si elle est dans ma mémoire, elle doit avoir un rôle vital à jouer. Cool! J'avais pas l'intention de rester sur le banc de touche. Fluff, transforme-moi! Oui! Les filles, vous devriez jeter un œil à cette affiche. Time Tiger a envoyé Jagged Stone dans le passé? Nadia Chamac? André le Glacier? Et le maire bourgeois? Il veut détruire notre présent en réécrivant le passé. Benix, si la Ladybug du futur n'a pas pu empêcher Time Tiger de venir ici, je ne dois pas être si forte que ça. Tu rigoles ou quoi? Tu es... Enfin... Tu deviendras une sacrée meneuse de groupe, la plus super des super-héroïnes. Mais alors comment tu expliques Time Tiger? Je te l'ai dit tout à l'heure, si Chat Noir n'avait pas cataclysmé mon Miraculous, on ne serait pas ici. Dans le futur, tu as vaincu Docteur Tristesse, les envahisseurs Apclipt, Crier Larmes, les reines jumelles du monde intérieur, Ignobilia, le côté obscur de Majestia, alors tu peux me croire, c'est pas Time Tiger qui va t'impressionner. Oh, et j'ai failli oublier Monsieur Rat. Monsieur Rat? On peut toujours compter sur Ladybug. Avec elle, tous les problèmes ont une solution. Comment je peux faire pour être à la hauteur? En grandissant, Minibug. Dis, Benix, dans le futur, Ladybug et moi, on ne serait pas un peu... Chat Noir! Tous les deux, vous êtes plutôt... Et le futur n'est pas figé dans le marbre. Allez, on y va! On a trop tardé. Il a eu le temps de tisser une énorme toile temporelle. Attends, on est encerclé par un type tout seul? Il peut nous attaquer de n'importe où? Ou plutôt de n'importe quand. Donnez-moi vos Miraculous, bande de petites terreurs! Vous êtes clairement pas à la hauteur! Je vais les donner aux papillons, Ladybug et Chat Noir, c'est fini pour de bon! Non, ne bouge pas. Je t'ai dit que je me chargeais de le ramener dans le futur. Il ne doit surtout rien vous arriver pendant ce temps-là. Mais d'abord... Tu bouges pas, Mini-moi, ok? Là, c'est exactement comme dans mon souvenir. Et maintenant... Elle a pas besoin de se détransformer pour réutiliser son pouvoir? Non, parce qu'elle est adulte. Incroyable, ça donne envie de grandir. Ah.
encore de taille, chaton noir. Phoenix, t'as rien pigé, t'as carrément raté. Maintenant va falloir tout recommencer. La victoire est à portée de main. Quelle idée brillante j'ai eue de m'envoyer du futur un allié d'une puissance sans pareille. Ah, tu la ramènes-moi maintenant, mon lapin. Je ne vais pas le laisser jouer au chat et à la souris. Cataclysme! Chat noir! Non! Tu vois, dans le futur, c'est comme ça que tu as endommagé mon Miraculous. Je le savais, que tu ferais ça. Qui c'est la meilleure, hein? C'est impossible. Merci pour votre aide, les jeunes super-héros. Cette fois, Phoenix rentre à la maison. Au revoir, Phoenix. Phoenix, Minibug. Aujourd'hui, un événement grave a causé un désastre dans le futur. Mais je ne sais pas ce que c'était, ni quand ça s'est produit. Tu n'as rien constaté d'anormal. Réfléchis, Minibug, réfléchis. Non. Oh, vite, suis-moi dans mon terrier. Waouh, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. À quoi ça sert? Tu veux connaître ton cadeau d'anniversaire? Non, bien sûr que non. Eh ben voilà. Mais, et toi alors? Tu connais tous tes cadeaux d'anniversaire? Eh bien, j'en connais quelques-uns. Waouh! Normalement, on évite d'interférer avec le passé ou le présent pour ne pas changer le cours des choses. Mais cette fois, c'est très grave, Minibug. Allez. Notre futur est en danger. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Moins on en sait sur le futur, mieux c'est. Fais comme d'habitude, capture la Kuma et répare tout. Ça devrait remettre le futur sur les rails. Tu ne restes pas avec moi? Eh bien, je préfère me tenir prête à remonter le temps pour tenter autre chose si jamais tu échoues. Oh, bah, Eva, le petit singe en peluche? Je suis pas une peluche! Je m'appelle Zoupou, espèce andouille! Je m'appelle pas andouille, moi c'est Kim! Pouette. Je me demande si c'était vraiment une bonne idée. Bon, allez, dis transformez-moi qu'on en finisse! Zoupou, transformez-moi! Tu as fait un travail remarquable, Troublefête. Il ne te reste plus qu'à me donner les Miraculous. Que la fête commence! Hé, attends un peu! Moi, singe aussi adore faire la fête! Pagaille! Prends ça! Non, mais t'es sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, mais j'adore perturber les autres pouvoirs. Carapace, on a besoin de toi. Protection! Téléporte-toi là et rapporte de quoi mettre de l'ambiance. Oh, excusez-moi, monsieur, je vous emprunte le temps de sauver Paris. Il faut qu'on soit tellement imprévisible qu'il ne pourra pas anticiper nos pas. Alors,